C'est toujours pour nous un plaisir de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle tranche Zoom Eco Live. Aujourd'hui, nous allons encore revenir avec toutes vos rubriques au rendez-vous. Nous allons aborder la question sur les dépenses exécutées au titre de la dette publique en 10 mois. Nous allons aussi parler, bien sûr, de ces prévisions de calamité. On parle là de 75 milliards de fonds congolais projetés pour 2022. Nous allons aussi aborder cette question majeure, d'ailleurs, qui revient sur les lèvres de plus d'un Congolais. Il s'agit des recommandations du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, face à la fraude minière. Mais avant tout, nous allons prendre d'abord les nouvelles en bref. C'est tout de suite. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. Afreximbank annonce le décaissement d'une enveloppe de 500 millions de dollars américains pour le développement du commerce en particulier en faveur de la production agricole et de l'amélioration de la connectivité physique, notamment dans la construction des routes prioritaires et de chemins de fer en République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort de la deuxième édition de la foire commerciale intra-africaine à Durban en Afrique du Sud, à laquelle a pris part le ministre congolais du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussin. Cette foire a été organisée du 15 au 21 novembre 2021 par Afreximbank en collaboration avec l'Union africaine. Nouvelle en bref encore, en 10 mois de l'exercice budgétaire 2021, le gouvernement de la République démocratique du Congo a payé plus de 887,5 milliards de francs congolais, soit un montant total de 343,1 millions de dollars américains, au taux budgétaire de 2067 francs congolais pour un dollar américain, au titre de la dette publique en capital. Suivant ces données fournies par les états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire, dans son rapport du mois d'octobre 2021, il se dégage un taux d'exécution budgétaire de 127,9%, ce qui indique un dépassement de prévisions budgétaires de l'ordre de 27,9% au cours de cette période sous analyse. Parlons cette fois-ci des recettes du fonds minier des générations futures pour l'exercice budgétaire 2022 qui sont projetées à plus de 100 milliards de francs congolais, soit un peu plus de 50 millions de dollars américains. Ces prévisions sont contenues dans le projet de budget 2022 du gouvernement congolais, actuellement en examen à l'Assemblée nationale. Signalant qu'au 30 juin 2021, le Fonds minier des générations futures avait mobilisé plus de 47 milliards de francs congolais en termes de redevances minières. Ce résultat traduit en effet un taux d'exécution budgétaire évalué à 155% par rapport aux prévisions linéaires arrêtées à plus de 30 milliards de francs congolais à l'échéance du 30 juin 2021. Terminons ces nouvelles en bref avec cette information. Dans le cadre du projet de budget de l'exercice 2022 en cours d'examen à l'Assemblée nationale, le gouvernement prévoit dans la rubrique « Réserve pour sinistres et calamités » une enveloppe de 75 milliards de francs congolais, soit 37,5 millions de dollars américains. Concernant cette rubrique, les dépenses exceptionnelles sur ressources propres du gouvernement de la République démocratique du Congo devraient enregistrer un taux d'accroissement de 189,5% par rapport aux prévisions linéaires arrêtées fin juin 2021 à 25 milliards 900 millions de francs congolais. Voilà, des retours sur ce plateau pour prendre déjà la toute première rubrique, c'est donc les chiffres clés. Tout de suite. Voilà, elle est avec nous sur ce plateau. Judith Unamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors avec vous, nous allons revenir sur cette thématique du jour. Vous nous parlez des dépenses exécutées à titre de la dette publique en 10 mois. Mais avant tout, nous allons commencer par prendre les informations sur le taux d'échange en République démocratique du Congo, principalement ici dans la capitale Kinshasa. Qu'est-ce que l'on doit retenir? Voilà, pour ce qui est du cours de change actuel en République démocratique du Congo, il faut retenir que la Banque centrale du Congo change 1 dollar à 1999 francs congolais, un franc CFA à 3,46 centimes et 1 euro vaut 2271 francs congolais. Pour ce qui est du marché parallèle, nous avons ciblé particulièrement la commune de Kalamu et dans cette contrée, 1 dollar vaut 2000 francs congolais, un franc CFA s'aliène à 3,50 centimes et 1 euro vaut 2340 francs congolais. Merci beaucoup pour ces précisions. Vous nous avez donc donné le taux parallèle, le taux officiel, celui de la Banque centrale du Congo. Commençons déjà avec cette question qui rend
démontre dans votre thématique combien le gouvernement congolais a pu payer au titre de la dette publique en 10 mois. En 10 mois de l'exercice budgétaire 2021, le gouvernement de la République démocratique du Congo a payé un montant de plus de 687,5 milliards de francs congolais, soit un montant total de 343,1 millions de dollars américains au titre de la dette publique en capital. Alors que l'enveloppe globale prévue pour cette période en rapport avec le paiement de la dette publique a été fixée à 537,5 milliards de francs congolais, soit 268,2 millions de dollars américains. Suivant ces données fournies par les états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire, dans son rapport du mois d'octobre 2021, il se dégage un taux d'exécution budgétaire de l'ordre de 127,9%, ce qui indique un dépassement des prévisions budgétaires de l'ordre de 27,9% au cours de cette période sous analyse. Justement, il y a une question qui se pose, que dire des 7 créanciers qui ont bénéficié de l'exécution de cette dette publique? D'après le rapport des états de suivi du budget, en 10 mois, 7 créanciers ont bénéficié de l'exécution de cette dette publique de la part du gouvernement congolais de la manière suivante. Le club de Paris a été payé à hauteur de 283 millions de francs congolais. Le club de Londres a encaissé 3,8 milliards de francs congolais. Le club de Kinshasa a été crédité à hauteur de 78,6 milliards de francs congolais. La dette multilatérale a bénéficié de 337,9 milliards de francs congolais. Il a été versé pour le compte de la dette sociale une somme équivalente à 25,1 milliards de francs congolais. En ce qui concerne la dette commerciale, le gouvernement congolais a déboursé au cours de cette période un montant total de plus de 96 milliards de francs congolais. En outre, la dette financière a été payée à hauteur de 145,6 milliards de francs congolais au cours de cette période. Parlons pour finir du crédit budgétaire voté pour le paiement de cette dette publique. Voilà, le plan d'engagement budgétaire relève que pour l'ensemble de l'exercice 2021, les crédits budgétaires votés pour le paiement de la dette publique sont de l'ordre de 645,04 milliards de francs congolais, soit 324,9 millions de dollars américains au taux budgétaire annuel de 267 francs congolais pour 1 dollar américain. Merci pour ces précisions, Julie Tounamaka. Je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres clés. Merci beaucoup, Guy. Voilà, après elle, nous allons prendre une autre Judith. Elle sera à la présentation du dossier. Elle s'appelle Judith Piombo. Elle revient sur les recommandations du président de la République face à la fraude minière. C'est tout de suite après ceci. Suivez. Judith Piombo est déjà avec nous. Judith Piombo, bienvenue. Merci. Alors, nous allons commencer déjà avec vous, avec cette réunion du Conseil des ministres. On parle de la 29e réunion du Conseil des ministres qui a abordé une question majeure qui rentre dans la lutte contre la fraude minière. Des recommandations ont été faites. Qu'est-ce que l'on peut retenir de ces principales recommandations venues d'ailleurs directement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Voilà, en attendant que toute la lumière soit faite sur le processus de déchéance des permis de recherche concernés bien sûr par ce processus, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a recommandé à la ministre de Mines ces 8 mesures que nous allons vous citer. Premièrement, de suspendre l'octroi de permis de recherche des droits miniers et ou de carrière, ainsi que les mutations et amodiations des droits miniers jusqu'à l'assainissement total et urgent du fichier cadastral par le cadastre minier. En deuxième lieu, le président de la République a aussi recommandé de déclencher la procédure de retrait des droits miniers et ou d'autorisation d'exploitation des carrières permanentes à la suite de manquements des obligations administratives et sociales contenues dans l'article 286 du Code minier. Troisièmement, il faudra poursuivre l'identification des périmètres de recherche où s'effectuent les activités minières illicites. Autre recommandation, il faudra démarrer les travaux de commission chargée d'identifier toutes les sociétés minières censées de céder à l'État congolais 10% de leur capital social au moment de la transformation du permis de recherche
en permis d'exploitation. Il y a aussi le fait de pouvoir, en collaboration bien sûr avec la ministre d'État, ministre du portefeuille, un cadre permanent de gestion de la participation d'État dans les sociétés privées titulaires de permis d'exploitation impliquant le cadastre minier et le conseil supérieur du portefeuille. En sixième lieu, il faudra accélérer le processus du recrutement du consultant chargé de réaliser l'audit technique de la carte cadastrale du cadastre minier sur une période prenant compte les 6 dernières années. En septième lieu, initier conjointement avec la ministre d'État, ministre du portefeuille, un contrôle systématique de la gestion des actifs miniers des entreprises du portefeuille de l'État. Et voilà pour finir, il faudra évaluer les régularités du processus de renouvellement de certains droits d'exploitation. On doit quand même le dire, Judith Piombo, un cocktail des recommandations. Comment le gouvernement doit-il s'y prendre pour être à mesure d'en assurer les suivis? Pour ce qui est du suivi, le président Félix-Antoine Tshisekedi a insisté pour qu'un rapport sur le niveau d'exécution de ces instructions soit présenté au Conseil dans les prochains jours et l'inspection générale des finances va s'occuper du contrôle du secteur minier dans son ensemble. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à toutes ces questions. C'est un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Merci. Judith Piombo Parti, nous allons tout de suite recevoir un autre. Il nous apporte souvent des analyses, mais également des orientations. Il va nous parler aujourd'hui des prévisions des calamités. 75 milliards de francs congolais projetés pour 2022. Il s'appelle Patrick Bomboka et il nous revient dans sa rubrique « La chronique ». Bonjour. Dans le cadre du projet de budget de l'exercice 2022, le gouvernement congolais prévoit 75 milliards de réserves pour faire face aux sinistres et calamités. Ces dépenses exceptionnelles, sous ressources propres du gouvernement congolais, devraient d'ailleurs connaître un accroissement de 189,5% par rapport aux prévisions linéaires arrêtées fin juin 2021 à 25 milliards 900 millions de francs congolais. Il faudrait noter qu'à l'échéance du 30 juin 2021, le Trésor public n'avait décaissé qu'un total de 2,453 milliards de francs congolais, un montant équivalent à 1,187 millions de dollars américains au profit des urgences liées aux sinistres et calamités. À cette échéance donc, les taux d'exécution budgétaire s'étaient limités à 9,5% du montant total attendu. Tandis qu'en 2020, alors que les crédits votés étaient de l'ordre de 25 milliards de francs congolais, le gouvernement central avait dû dépenser 44,85 milliards de francs congolais face aux sinistres et calamités, dégageant ainsi un taux d'exécution évalué à 178,7%. Devant l'impossibilité pour le gouvernement congolais de prévoir toutes ces situations dues aux sinistres et calamités, il n'est pas étonnant que très souvent, qu'il y ait un écart négatif entre les prévisions initiales et les dépenses réellement exécutées. Merci de nous avoir suivis. Vous êtes sûrement nombreux à attendre ce moment. Zoom ONG vous permet de rester chez vous. Nous allons donc décoller pour faire le marché ensemble. Vous n'avez pas raison de vous déplacer pour ça. Restez chez vous, mais restez donc aussi connectés à Zoom Eco Live puisque ce marché du jour, c'est une surprise. Suivez avec nous. Zoom ONG, c'est tout de suite. Salut à tous et bienvenue dans Zoom Wendy. C'est ici qu'est logée toutes les cultures congolaises et une diversité d'œuvres d'art des matières confondues. Le marché Bikeko en plein centre-ville de la capitale congolaise. Suivons la petite histoire. Le marché d'art est situé dans la commune de la Gombe, délocalisé depuis 5 ans de la gare centrale à la place royale. Ce marché a une particularité de vente d'œuvres d'art représentant la richesse culturelle de la RDC. Ces œuvres d'art sont faites de plusieurs matières, en bronze, en malachite, en argile, en cristal, en pierre et tant bien d'autres. On y trouve aussi de tableaux, de bracelets, de masques de tribus Songhe, Pende, Ngwaka, pour ne citer que cela. Ce marché est donc un miroir qui reflète la richesse de la culture congolaise. Pour aujourd'hui, on vous donne le prix des différents masques de quelques tribus de la République démocratique du Congo. Le masque Luba revient à 40 $. Le masque Tchokwe à 25 $.
Le masque PND, une spécialité du Bandundu Sela, coûte 25 $ et 50 $. Le masque Rega coûte 30 $. Masque Lualua, identité du Kasaï, coûte 35 $. Une richesse de l'Équateur, les masques Nguaka se vend à 40 $. Le chapeau traditionnel de Bayaka se vend à 15 $, un petit, et 20 $ pour le grand. Et enfin, le chapeau traditionnel de Bakuba à 35 $. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Zumwende vous donne rendez-vous très prochainement. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change dans la République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique, nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous nous rapprochons de la réalité congolaise. Le vote est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activité économique, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre pays. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les différents rendez-vous du 22 novembre 2021? Il est temps pour vous de noter et c'est parti avec l'agenda. Bienvenue à l'agenda. Pour aujourd'hui, nous commençons par vous rappeler que DRC Africa organise Business Forum 2021 du mercredi 24 au jeudi 25 novembre à Kinshasa. Cette assise sera axée sur développer une chaîne de valeur régionale autour de l'industrie de batteries électriques, d'un marché de véhicules électriques et des énergies propres. Autre rendez-vous, il s'agit du grand salon de financement pour jeunes entrepreneurs qui se tiendra à Kinshasa au numéro 57 avenue des Sénégalais dans la commune de la Gombe. C'est samedi 27 novembre 2021 de 12h à 14h. Cette fois-ci, notons le rendez-vous de l'émergence de jeunes par l'entrepreneuriat et le numérique du 29 au 30 novembre 2021 au centre d'événements Romeo Golf à Kinshasa. Et pour finir, retenons également que Business Masterclass organise une formation de renforcement des capacités pour les entrepreneurs et l'accès au financement de PME du 29 au 30 novembre 2021 à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15 vous fait remonter encore une débrouillardise à Kinshasa. Aujourd'hui, c'est une vendeuse de friperie qui nous ouvre ses portes. Elle partage avec nous sa petite expérience, une activité qui semble peut-être négligée par certains, qui lui permet de faire vivre toute une famille, mais également de nouer le debout du mois. Suivez le reportage, c'est tout de suite. Bandi balon a sali déjà une année. To bundaka essentiel aux moi écolo masango moi écolo fufu au vivre. Mendenge ezala ki bomba ta moi 5 dollars. Ezali soute et l'autre côté. Nate ka bilamba na ki ko somba balon 150. Bénéfice ezate na sombi 150 na ye ko zo 80. Donc na mona ki l'autre côté. Ok, boy, ata 5 dollars au babanda et kolongola. Balongola ali soute. Oye, a au bandeloko 8000, mouta au peso 2000. O foute la ngona, nous bataxes na katikuna au pesi. Ozonga boy au footi, ozonga boy au footi, donc to mona tete zo kende ti wapi. Ote kananto ote kate, transport li sou passe, poto vivre ndenge nini, passe leki. Boyo kananu ata passe na biso. Yo mtozo zwa mwandambu za apena susi na biso bato to oluka. Po batu balobi ke to olia na mutoki. Biso to oluka na mutoki tozo zwa te. Bande koto luka atoza na 1000 francs okote ka somba pake ya opir.
les 1200. Au reçoit 2000. Moi, bénéfice à 800. Moi, écola foufou, et ça, moi, écola ma sang, ou ça. Ce que je lis à Mobimba, ou ta ranatangwa man, et ça la ralisoute, maman, loukaka. Bisoto lingi to toka na moi, yope ya koto ka woku fate. Ce que vandi, Zamboka, boyoka mawa, bozala na place na biso, bino pe bozala ki lokola biso. Tango bokomi esika ngo boyoka pe souci na biso. Botala biso ndeni tozo soufi, boyoke la biso mawa. Biso pe to ana posa, tozo pe ata mo eloko, to komi esika na bino te me to se retrouve. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde ne jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Kiombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoomeco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis, mais surtout restez connectés à nos différentes plateformes. N'hésitez pas, écrivez-nous au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez 100 ans. Au revoir et à très vite.